mes chers camarades, je voudrais bien sûr commencer en remerciant les électrices et les électeurs qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus à l'occasion de ce premier tour d'élection présidentielle. Ils ont voté pour la France des jours heureux, pour une France heureuse, solidaire et digne. Et je dis que chacune de vos voix est un message d'espoir, chacune de vos voix est importante et elle doit être respectée à ce titre. Ce premier tour est encore marqué par une abstention forte qui révèle autant les fractures de notre société qu'un malaise profond, mais aussi par l'extrême droite qui est représentée par plusieurs candidats et qui n'a jamais été aussi forte dans notre République. L'heure est grave. Le vote dit utile a largement servi les trois candidats arrivés en tête au détriment de tous les autres. Et face à cette lame de fond de ces derniers jours, je voudrais sincèrement, le plus profondément de mon cœur, saluer les centaines de milliers d'électeurs et d'électrices qui ont fait le choix de voter pour ma candidature et saluer les dizaines de milliers de militantes et de militants engagés. GRS, les radicaux de gauche, merci. Nouvelle gauche socialiste, les dizaines de milliers de militants syndicaux qui ont lancé des appels pour soutenir cette candidature. Merci. Merci parce que votre soutien a été important et ce que vous avez fait dans cette campagne est absolument remarquable. Vous avez été incroyable. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous avez fait car vous avez semé énormément de graines et elles seront tellement utiles pour la suite et pour l'avenir. Chacune des voix portées sur ma candidature m'engage donc, nous engage tous collectivement. Chacune de ces voix sera toujours demain un point d'appui pour faire gagner la justice sociale et l'égalité, pour unir nos forces au service toujours du monde du travail, de la jeunesse et du progrès social. Car la gauche, à l'issue de ce premier tour, reste historiquement faible. Pour la première fois même, le total des voix de gauche est inférieur au total des voix d'extrême droite. L'enjeu, et ça restera le mien, sera donc de reconstruire une gauche forte, nouvelle, populaire, mais surtout en capacité de se reconstruire, de gagner, de l'emporter demain. Mon ambition, ma détermination sont d'autant plus fortes que ce soir, notre pays affronte un défi redoutable, car l'extrême droite accède au second tour avec une réserve de voix faisant peser une menace majeure sur l'avenir de la République. Une menace importante. Nous disons que le président candidat est le premier responsable de cette situation. Parce qu'après un quinquennat où notre peuple a vu se dégrader son pouvoir d'achat, ses conditions de travail, ses services publics, sa souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, il a refusé, malgré tout, le débat devant les Françaises et les Français durant cette élection. Pour tout programme, il n'a présenté que des mesures de casse sociale aggravées, à commencer par le passage à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Une large partie de la France vient de lui dire qu'elle ne supportait plus son comportement méprisant et sa volonté de toujours continuer d'enrichir les plus riches. Il appartient maintenant à Emmanuel Macron de dire qu'il a entendu le message. Oui, c'est à lui de parler. Il doit dire aujourd'hui clairement qu'il renoncera à ces réformes insensées. Il lui appartient à dire qu'il renoncera à ces réformes insensées. Sauf à faire courir à la France le risque d'une catastrophe démocratique, il doit renoncer à infliger à nos compatriotes une nouvelle cure de souffrance. Il doit d'ores et déjà retirer son projet d'allongement d'âge de départ à la retraite, de casse du service public, de l'hôpital, de privatisation de l'école publique que le pays rejette. Pour ma part, dimanche 24 avril, je ferai le choix de la responsabilité. Fidèle à toute l'histoire de ma famille politique, de nos familles politiques, je ne permettrai jamais
qu'un projet raciste et xénophobe soit mis en œuvre à la tête de l'État. Je ne me résoudrai jamais à ce que Mme Le Pen puisse utiliser nos institutions au service de son entreprise de haine et de division. Jamais, jamais nous ne banaliserons l'extrême droite et ses idées. C'est pourquoi j'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul outil qui sera à sa disposition. À notre disposition. Je fais ce choix, je le dis clairement ce soir, et je sais qu'il est de plus en plus difficile de le dire. Car de plus en plus de Français, d'hommes et de femmes, de progrès, de gauche, n'en peuvent plus d'avoir à choisir entre la droite et l'extrême droite. Ces 5 dernières années, nous avons combattu la politique de ce gouvernement et de son candidat. Et je lui dis, nous serons toujours ses adversaires résolus. J'appelle ce soir tous les candidats et toutes les composantes de la gauche. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, Anne Hidalgo et les Socialistes, Yannick Jadot et les Écologistes, à préparer ensemble les initiatives qui permettront de battre l'extrême droite. Je les invite aussi à nous réunir dans les tout prochains jours pour que les élections législatives nous permettent d'envoyer le plus grand nombre possible de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Car c'est à l'Assemblée qu'il faudra commencer à résister aux projets dangereux de la droite et de l'extrême droite. Mais aussi, c'est à l'Assemblée que nous nous battrons pour arracher des avancées, du progrès, pour les Français, pour le monde du travail. Alors que le pays se passe au plus grand danger, à un monde toujours plongé dans la guerre et le chaos, la gauche doit se reconstruire et recréer de l'espoir. Nous continuerons de nous battre pour passer le travail avant les dividendes, d'arracher l'augmentation des salaires, des retraites et du pouvoir d'achat, de rebâtir une république sociale, laïque, universaliste, d'agir pour la souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire de notre pays. Nous nous battrons toujours pour faire grandir une voie indépendante de la France en Europe et dans le monde. Avec les forces de progrès, les personnalités rassemblées ces derniers mois autour de la campagne des Jours Heureux, nous lancerons, nous ferons vivre dans les prochains jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent, un Conseil national pour la République. Nous voulons ainsi contribuer au sursaut collectif indispensable pour la France, pour la gauche et pour le monde du travail. Une nouvelle page de l'histoire française doit s'écrire. Et je peux vous dire ce soir toute ma détermination. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi pour y prendre toute ma part, avec toujours autant d'enthousiasme et d'engagement au service de tous les Français, ce soir, demain, dans les mois et les années qui viennent. Oui, nous serons toujours là. Vous pouvez compter sur nous.